Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 14 février 2024 et nous sommes un mercredi. Et ce mercredi est très particulier pour nous qui sommes des catholiques, qui sommes attachés à notre liturgie. Aujourd'hui nous entrons dans un temps fort qu'est le temps de carême. Et en même temps aujourd'hui ça tombe. Vous savez, la fête de Saint-Valentin qui est aujourd'hui très, 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 très répandue et les personnes saisissent ce jour pour manifester de leur amour à leur conjoint et tout ça. Mais cette année, le souhait de Dieu pour toi et moi, c'est que nous lui témoignons notre amour. Où sont mes frères catholiques? Où sont mes sœurs catholiques? Croyez que Dieu vous aime. Frères et sœurs, nous entrons dans ce temps merveilleux qu'est le temps de carême. Bienvenue à cette sémence matinale et je vous souhaite de vivre pleinement le temps de carême. Le thème que je vais prêcher aujourd'hui, c'est une première dans sémence matinale. Je vais prêcher un thème sur la dimension prophétique du carême. La dimension prophétique du carême. Frères et sœurs, le carême est un temps fort que l'Église, notre mère, nous propose pour nous préparer au mystère de la Pâque, qui est la mort et la résurrection du Christ. Et le temps de carême fait mémoire des 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert. Le temps de carême également, c'est 40 jours. On dit 40, carême. Donc c'est 40 jours. Les 40 jours commencent à partir du mercredi, descendent et se terminent le jour de la Passion. Et quand on vit le temps de carême, durant le temps de carême, les dimanches, on ne jeûne pas parce que les dimanches, c'est le jour de Pâques, le jour où notre Christ est immolé. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, 40 jours de préparation de jeûne et de prière également en mémoire ou du moins en imitant le Christ dans les 40 jours qu'il a passé dans le désert. Alors, pour nous aujourd'hui qui voulons vivre ce temps, quelle dimension prophétique nous pouvons tirer de ce temps de carême? Frères et sœurs, le message de ce jour va bousculer beaucoup de personnes. Mais on ne s'arrêtera pas. J'aimerais, avant le temps de prédication, avant de débuter, mettre en garde tout le monde. Le berger Élisée Dossa, n'allez pas me chercher sur Facebook. Moi, je ne vais jamais vous envoyer de demande d'amis sur Facebook. Je ne vais jamais vous écrire sur Facebook. Malheureusement, des personnes encore continuent de tomber dans le piège de ces anarcheurs-là. Je n'irai jamais sur Facebook pour aller vous demander une invitation, non. Et tous les numéros que nous vous donnons, ces numéros sont WhatsApp. Ne tombez pas dans le piège de ces personnes. Alors, nous allons maintenant comprendre la dimension prophétique du temps de carême ou du carême dans la vie d'une personne. Premièrement, première portée prophétique du temps de carême. Lorsqu'on décide de vivre le temps de carême, c'est toujours pour un but. Autrement dit, lorsque l'Église, notre mère, nous propose le temps de carême, c'est pour nous conduire quelque part. Donc, le temps de carême, à la vérité, est un temps de préparation dans la perspective de notre victoire et de notre triomphe,
comme le Christ a triomphé de la mort au jour de la Pâque. C'est pourquoi le temps de carême doit être un temps pour toi où tu vas présenter à Dieu dans le jeûne, la mortification, la prière, le partage, dans la pénitence, dans la confession, dans les sacrements. C'est le temps pour toi de présenter à Dieu tes attentes. Frères et sœurs, deuxième chose qui découle de la dimension prophétique du temps de carême, c'est que le temps de carême, je vais choquer des personnes, c'est un temps de tentation. Le temps de carême est un temps de tentation. Car qui dit carême dit détachement. Qui dit carême dit privation. Qui dit carême dit prière. Qui dit carême dit rapprochement avec Dieu. Alors lorsque tu veux te rapprocher avec Dieu, l'ennemi ne va pas rester là à croiser les mains. L'ennemi ne va pas rester là comme cela. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à jeûner. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre le carême comme elles peuvent. Parce que le temps de carême est un temps de grande tentation. Je souhaite un joyeux temps de carême à tous les chrétiens catholiques. Oh, je prie pour un monsieur que Dieu me met à cœur maintenant. Mon frère et fils spirituel, Roger Tawes, que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que la faveur de Dieu ne te fasse jamais défaut. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui écoutent ma voix tous les matins. Les personnes qui entendent la voix du Seigneur au travers de ma pauvre vie pécheresse. Je prie que l'onction de Dieu vous touche. Que cette année-là, que vous puissiez mettre un point d'honneur sur votre marche dans la vie spirituelle et dans la vie mystique en vivant un temps de carême fort. Frères et sœurs, le temps de carême est un temps de tentation. Qui a dit que ton carême sera paisible? Qui a dit que ton carême sera tranquille? Qui a dit que durant le temps de carême là, tu seras en paix? Non, tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Oh, tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Oh, rakatalabab. Non, l'ennemi va t'attaquer. L'ennemi va t'attaquer fortement. L'ennemi va t'attaquer fortement. L'ennemi va t'attaquer fortement. Korababababababa. Sotoloba. Le temps de carême est un temps difficile. Le temps de carême est un temps pénible. Le temps de carême, oh, faut qu'on le dise, parce que l'ennemi va pas te laisser. Il va pas te laisser comme ça te préparer pour entrer là où tu dois aller. Non. Non, il ne va pas te laisser. L'ennemi ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le diable, quand tu décides de vivre ton temps de pénitence, quand tu décides de vivre ton temps de carême, pendant même que j'enregistre cette semence matinale, quand tu décides de vivre un temps de détachement avec le Christ, avec le Seigneur, mais l'ennemi viendra. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes, le mercredi, je vais gêner, mercredi là, je vais gêner, je vais bien vivre mon temps de carême. Au cours de cette semence matinale, je veux porter une personne dans mon cœur. Cette personne, elle s'appelle Dossa Pascaline. C'est ma grande sœur Dossa Assouan Pascaline. Je l'aime tellement. C'est une dame qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a soutenu dans mon enfance. C'est ma grande sœur, même père et même mère. Je ne sais pas, mais je veux saisir cette opportunité pour lui dire que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elle m'a beaucoup soutenu. Elle a cru en moi ou beaucoup n'ont pas cru en moi. Elle a toujours prié pour moi et elle prie toujours pour moi. Si je suis à ce niveau, c'est parce que elle a cru en moi. Elle m'a soutenu. Elle a marché avec moi. Le Seigneur notre Dieu est bon. Le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Le Seigneur notre Dieu est glorieux. Il est fort. Il est puissant. Il est ce Dieu-là qui nous aime. Il est ce Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est ce Dieu qui vient marcher avec nous dans tout ce que nous vivons. Il est ce Dieu qui est au cœur de notre humanité. Il est ce Dieu merveilleux, glorieux. Frères et sœurs, le
temps, le temps de carême est un temps vraiment fort. Est un temps fort, 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 fort. Fort. L'ennemi ne va pas te laisser. Je le dis, parce que plusieurs personnes, le mercredi, on prend des décisions, mais on n'arrive pas. Troisième dimension prophétique en ce qui concerne notre temps. Troisième dimension prophétique en ce qui concerne notre temps de carême, c'est que le temps de carême est un temps de victoire. Pourquoi? Parce que dans le désert, durant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que Jésus a eu la victoire. Il a eu la victoire sur le diable. Et je prie que Dieu te donne la victoire. Je prie que Dieu te donne la victoire. Je prie que Dieu te donne la victoire. Qu'il te donne la victoire sur tes combats. Qu'il te donne la victoire sur tes luttes. Qu'il te donne la victoire sur tes combats. Que le Seigneur te donne la victoire. Ce temps de carême ne sera pas pour toi un temps où tu seras vaincu. Je refuse au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, durant ce temps de carême, nous allons faire l'effort tous les vendredis dans la semence matinale de vivre au moins 3 stations du chemin de croix. Et durant 3 stations du chemin de croix, écoutons. Bonjour Papa Berger. Papa Berger, je suis là aujourd'hui pour glorifier le nom du Seigneur dans ma vie, pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma petite famille. Je bénis son nom au plus haut des cieux. Jésus est l'architecte. On y va avec elle. De ma vie. Chante avec elle. Il a commencé. Il a commencé. Je suis le bâtiment. Lui, il est l'architecte. Il a commencé. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Wow. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Aïe, 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 il a commencé. Il a commencé, oh, merci Seigneur. Papa, j'ai intégré le groupe. Non, j'ai les audios de semence matinale grâce à ma maman qui m'envoyait ça. Un jour, j'ai décidé d'écrire pour intégrer le groupe. Et je suis rentrée, j'ai intégré le groupe en octobre. Et Dieu a fait un grand miracle dans ma vie. À chaque fois quand j'écoutais les audios, je demandais à Dieu, quand j'entendais les femmes dire, ah, Dieu m'a béni avec la grâce de l'enfantement. Je dis, Seigneur, faut pas m'oublier. Ne passe pas sans me toucher. Seigneur, dis un mot dans ma vie. S'il te plaît, Seigneur, bientôt 3 ans que j'ai perdu ma fille, j'ai fait une fausse couche et je demandais à Dieu de me bénir. La grâce de l'enfantement, la grâce de l'enfantement, la grâce de l'enfantement. Et puis, bim, Dieu a fait le miracle. Je suis tellement contente. Je suis hyper contente. Je bénis le nom du Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Il y a plusieurs trucs que je demande à Dieu. Et je sais que quand Dieu commence quelque chose, il termine toujours. Je suis super contente parce que la première chose que je voulais, c'était la grâce de l'enfantement. Oh Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu au-dessus des dieux. Tu es le miracle, tu es le Dieu au-dessus des dieux. Nous allons vous faire écouter un témoignage fort. Ce témoignage sera accompagné de visuels. Écoutons ce témoignage. Shalom Berger, moi, je ne cesserai jamais de vous remercier pour tout ce que vous me faites, quand bien même ce remerciement n'a aucune valeur à côté de vos actes. Je disais la fois dernière à mes enfants, je serai à Lomé pour assister à la prière. Et quand cette situation de disparition de Bac s'est intervenue, je le disais, même si je touche le berger des yeux, les bénédictions vont pleuvoir sur moi comme une pluie diluvienne et tous les effets néfastes de cette vague vont disparaître. Erreur,
Et je vous assure, c'est votre séance de mardi qui m'a instruit. Parce que je me demandais, est-ce que je vais le dire au berger ou je me taise. Mais la séance a fait que je dis, je ne vais pas garder. Là où je suis restée, on était très loin, on ne vous voyait même pas. On n'attendait même pas ce que vous disiez. Mais il y a une dame à côté de moi qui a reçu la délivrance, berger. Elle ne faisait que vomir. Et c'est une occasion encore pour moi de remercier une fois encore votre équipe. Rapidement, il y a un membre qui est venu l'assister et qui priait pour elle. Donc quand j'ai entendu, j'ai écouté l'audio tout à l'heure, je dis, il ne fallait pas dire ça. Même sur les lieux, tu reçois déjà les bénédictions. Tu reçois déjà les bénédictions. Mais je tenais quand même à vous le dire et à confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors là où le témoignage devient intéressant, c'est que cette dame est venue, elle est venue vivre le temps avec nous à Lomé. Elle est venue prier et voici que elle n'a même pas, elle s'est dit qu'elle devait me toucher, elle doit faire, elle n'a pas pu faire ça. À côté d'elle, une dame qui n'entendait même pas ce que je disais, mais quand on parle de l'environnement de l'onction, beaucoup ne comprennent pas. La dame à côté a reçu sa délivrance. Et écoutez la suite du témoignage, c'est là où ça devient intéressant. Merci pour vous, merci pour tout. Je vous ai demandé une assistante, vous l'aviez fait, j'ai reçu le passeport. Quand j'ai quitté la prière, je suis resté quelque part jusqu'à une heure donnée. Et quand l'heure est sonnée, je suis allé à la gare pour prendre la route pour Ghana et retirer mon passeport que je vais vous envoyer quand même. Merci, merci pour tout. Merci ma sœur. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Que l'onction de Dieu ne vous fasse jamais de faux. Vous savez, frères et sœurs, je le dis de tout cœur. Le Dieu que je prie est le Dieu de la fidélité. Il est le Dieu fort, merveilleux, grand et puissant. C'est l'occasion pour moi de dire à toutes les personnes qui sont au Gabon, nous avons le MCM au Gabon. Vous nous suivez au Gabon, vous devez prier avec le groupe là-bas. Nous nous retrouvons des moments pour prier. Je vais revenir sur ça parce que beaucoup de personnes me suivent au Gabon et bientôt, ça sera le tour du Cameroun. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Le temps de carême est un temps de victoire. Le temps de carême, je répète, est un temps de victoire. Dieu nous donne ce temps pour nous donner la victoire. Oh Jésus. Vous savez, il y a des témoignages quand vous écoutez. Alors on va écouter ce témoignage. Allons-y. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Shalom, shalom, papa berger, j'espère que vous allez bien. Alors papa, je viens ce soir rendre gloire à l'Éternel des armées parce que ma part de témoignage a commencé par sortir. Papa, je suis revenu, je vous ai envoyé une note vocale vous demandant de prier pour moi parce que j'ai trop de blocages dans ma vie financièrement et professionnellement et tout, voilà. Et papa, s'il vous plaît, modifie un peu ma voix avant de publier parce que j'ai deux témoignages à faire. Il y a un, le second, je n'en ai jamais parlé à quelqu'un. Je traîne toute seule mon traumatisme. Donc vous êtes le premier à qui j'en parle. Voilà. Et je vous avais dit dans le vocal, la note vocale du 6 février, que j'ai déposé un dossier quelque part et que de prier pour moi pour que je sois retenue. Papa, tu as appelé merveille dans ma vie. On m'a appelé aujourd'hui pour vous dire que je suis retenue. Alors, cette dame, à cause de ce qu'elle a dit, je n'ai pas pu modifier la voix. Elle a été retenue dans un travail et elle a été guérie miraculeusement. Je ne vais pas entrer dans les détails. Le témoignage est trop fort. C'est vraiment fort. Quand je dis que c'est fort, c'est fort.
Oh Jésus, ce matin je vais prier. Je vais demander à Dieu de toucher des personnes. Je vais demander à la puissance de Dieu de restaurer des personnes. Écoute ce témoignage. Alors, oui, bonsoir, Berger, comment vous allez? Moi, je suis Daboué Jacob. Je suis résident à Paris. Mais c'est mon épouse qui vous connaît. Et j'ai vu aussi, enfin, vous connaît par les réseaux, YouTube, et puis chaque matin, on a quelque chose sur vous. Et nous avons expérimenté cela avec nos enfants au Canada. Et nos enfants aussi connaissaient avant moi. Je suis le dernier à connaître. Mais quand j'ai écouté ce soir mardi, ce que vous avez, séance matinale de ce matin-là, et j'ai été particulièrement touché. Je fais honneur à ce frère. Il dit qu'il a été le dernier à connaître, mais il est le premier à passer dans séance matinale. Écoutez son témoignage, trop fort. Touché par votre appel. Alors, je voulais contribuer financièrement. Voilà. Et c'est aussi notre contribution, même si je n'ai pas encore expérimenté, mais je veux expérimenter ces séances matinales parce que je suis très touché. Voilà. Donc, vous me direz ce que je dois faire. Ma femme aussi dit qu'elle veut aussi vous envoyer quelque chose pour, comment tu appelles ça? Offrande quoi? D'alliance. Offrande d'alliance. Bon, en tout cas, moi, je vais donner pour la sono, comme je suis musicien aussi. Alors, plusieurs personnes, les mauvaises langues disent, ah, est-ce qu'on a besoin d'acheter sono? Est-ce qu'on a besoin d'acheter sono? Attendez, beaucoup de personnes n'ont pas idée de ce que nous dépensons. Je veux seulement m'arrêter sur la prière que nous avons faite en décembre. La sonorisation nous a coûté des millions. Et quand je dis des millions, c'est vraiment des millions. Et ce n'est pas achat, c'est location. Mais pourquoi est-ce que quand un homme de Dieu lance des actions, des personnes disent non, lui, il aime trop l'argent, il fait tout cela. L'opération que j'ai lancée là, j'ai donné le numéro de la dame, elle s'appelle Madame Emou. C'est elle qui gère ça. C'est une opération qui est détachée. Mais attendez, pourquoi vous ne voulez pas que nous, les chrétiens... Bon, je n'ai même pas entré dans ça même. Bref, écoutons la suite de ce témoignage. Oui, Berger, je me permets encore de revenir. Vous savez, j'ai ma belle-fille qui vit au Canada et qui avait un nodule au sein. Grâce à ses masses matinales, il y a quelques jours, peut-être qu'elle va vous envoyer son témoignage. Et donc, les médecins avaient vu qu'il y avait un nodule dedans. Et depuis que vous avez fait prier pour elle, en février, hein, je parle de tout à l'heure. Donc, le nodule a disparu. Elle est repartie à l'hôpital. Il n'y a plus rien. Et je pense qu'elle va vous écrire pour... elle a peur de témoigner vocalement, mais... Je prie que Dieu, notre Père, touche toutes les personnes qui sont à l'écoute de cette séance ce matin. Aujourd'hui, c'est le premier jour de jeûne. Le mercredi des cendres. Démontrons notre amour à Dieu par un temps de jeûne. Un temps de privation. Je prie pour toi qui m'écoutes, là où tu te trouves, que la main de l'Éternel te touche, que la grâce de Dieu te touche, que la faveur de Dieu te touche. Je prie pour toutes les personnes qui souffrent de l'hépatite. Casse au nom de Jésus-Christ. Miracle. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh. Shalom, shalom, Béji, j'espère que mon Dieu vous trouve à merveille. Je vous fais ce tour pour témoigner de la grandeur de Dieu, de sa puissance dans nos vies, en particulier dans la vie de mon fiancé. En effet, j'ai reçu ce matinal pour la première fois le 6 décembre 2023. Mais ce jour, je n'avais pas écouté parce que je n'aime pas les audios transférés. Le lendemain, on m'a également envoyé ça. Mais cette fois-ci, c'était suivi d'un test. J'ai téléchargé, j'ai commencé à jouer.
en moins d'une minute. Je ne savais pas, mais ma tête était bizarre. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Sincèrement, le Seigneur vous a doté d'une onction. C'est comme ça, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à suivre. Je suis allée, je me suis abonnée à votre page. Chaque matin, quand je me réveille, je suis ça. Jusqu'à la date du 23 décembre. Le 23 décembre, je suis venue rendre visite à mon fiancé parce que nous sommes dans la même ville. C'est là, j'ai allumé ce matin-là, j'ai mis ça sur haut-parleur et je suivais, je lui ai demandé d'écouter. C'est comme ça, il a commencé à écouter. Il a commencé à écouter. Il s'est intéressé, il a pris goût à ça. Alors qu'il est musulman, je n'ai pas compris pourquoi. Donc c'est comme ça. Sans rien me dire, il est allé sur Facebook pour chercher s'il pouvait vous écrire. On a voulu l'arnaquer, mais Dieu merci, il n'a pas cédé. Donc, et depuis août 2023, il souffrait de l'hépatite B. C'est comme ça. Chaque fois qu'on priait, on priait, on priait, on demandait à Dieu de le toucher, de le toucher, de le toucher. Quand quelqu'un témoigne de sa guérison, on saisit cette parole pour prier, pour prier, pour prier. C'est comme ça, un jour, on a fini ce semence matinal, on a prié. Quand il y a une voix qui me disait que le 13 février, qu'il y aurait une bonne nouvelle pour moi. Étant donné que c'était plusieurs choses, on demandait. Donc, pour moi, je ne savais même pas que c'était ça. Fortuitement, ce soir, je suis là. Il est allé au boulot, il est revenu. Il me tend une enveloppe. J'ouvre et je vois quoi. Il est allé faire son test d'hépatite et c'est négatif. La dame a fait, elle a refait, elle a refait. Elle ne s'en revenait pas parce que c'était chez cette même dame qu'il avait fait sa test positif. Je vais me battre, je vais lutter, je vais me battre pour mon témoignage, mon témoignage, mon témoignage, mon témoignage, à quand mon témoignage, mon témoignage, mon témoignage. Mon témoignage, à quand mon témoignage? Aujourd'hui, je vais terminer cette semence matinale en adressant un message à toutes les personnes qui aiment le Seigneur, à toutes les personnes qui aiment semence matinale. Je vais vous dire trois choses. La première chose, je vais vous dire merci pour l'intérêt que vous accordez à la semence matinale. La deuxième chose, je veux vous demander pardon. Si dans ma façon de prêcher, dans ma façon de faire le ministère, si j'ai eu à heurter votre sensibilité, ou si même une personne a été frustrée par notre ministère, je suis en train de prier, je ne peux pas vous mentir, là je suis en train de me mettre à genoux. Je vous demande pardon. Pardon. Si peut-être à cause d'une phrase ou de quelque chose que j'ai dit que vous avez été blessé, je vous demande pardon devant le Seigneur. La troisième et la dernière chose, je vous demande de bien vivre ce temps de carême. Attachez-vous au sacrement. Attachez-vous au sacrement. Je vous demande. Aujourd'hui, nous allons méditer plusieurs tests. Mais les tests que nous allons méditer, même si tu n'as jamais médité les tests, il faut méditer les trois chapitres que je vais donner. Le premier test est Matthieu chapitre 5. Le deuxième test est tiré du livre des psaumes en son chapitre 51. Et le troisième et le dernier test est tiré du livre de Ésaïe chapitre 59. Donc Ésaïe chapitre 59, psaume 51 et le livre de Matthieu chapitre 5. Demain, plaise au Seigneur, nous allons continuer ce thème. Et je veux aussi demander pardon à toutes les personnes qui ne reçoivent pas des réponses parce que je vois vos messages. Je vous assure que depuis pratiquement 1 h du matin, je suis en train de répondre aux messages. Que Dieu notre Père vous bénisse.
bon temps de carême. Pour ceux qui veulent m'écrire, vous pouvez m'écrire. Mais de grâce. Vous avez vu le frère, il a dit qu'il allait me chercher sur Facebook. Il a failli se faire arnaquer. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.